TV a eu le bonheur de visiter les futurs électeurs et dirigeants matanais à l'école Victor Côté lors du grand jour de l'Halloween. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Je sais pas. C'est pas? Ouais. Toi, est-ce que tu le sais, Noémie? C'est l'Halloween. C'est l'Halloween. Est-ce que t'aimes ça, toi, l'Halloween? Oui. En quoi t'es déguisée? Diablesse. Wow, c'est super beau, ça, hein? Puis toi, t'es déguisée en quoi? En pompier. Oui. Connais-tu les règles de sécurité un petit peu pour aller te promener puis demander les bonbons? Les bonbons qui seront pas bien emballés ou que tu vois, là, on s'en occupe pas, on les mange pas, on les envoie à la poubelle. Et les bonbons qui sont bien emballés, eux autres, on les garde, sont pour toi. C'est important. Pour assurer la sécurité des enfants dans les rues lors de leur récolte sucrée-salée, nous leur avons remis des bracelets lumineux à l'effigie de Cogeco pour qu'ils soient bien visibles pour les automobilistes. Nous en avons profité pour jaser un peu avec eux des règles de sécurité et de la fête tant attendue de l'Halloween. Ben, faut regarder où qu'on va, puis faut tourner les deux côtés pour qu'on aille devant la maison où on veut y aller. Est-ce qu'on les mange, les bonbons, quand on se promène dans la rue? Non! On attend d'être à la maison avec les parents. Oui, pour que nos parents les vérifient. On court pas. Puis aussi, on fait pas des soins à les personnes. On marche pas avec des masques. On marche pas avec des masques, hein? Pourquoi? On peut se blesser. C'est ça. Fait qu'on va être bien visible avec des belles couleurs comme toi, c'est parfait. Avec ton petit bracelet lumineux aussi. Avant de traverser la rue, il faut regarder de chaque côté et avoir une lampe de poche. Ou un bracelet lumineux. Ouais. Ou un bracelet lumineux. Puis toi, est-ce que tu connais d'autres règles de sécurité? Ben oui. Ben il faut toujours suivre nos parents. Il faut jamais courir partout. Si on dort pas bien, ben on fait pas passer l'Halloween. Du bonbon pour nos TV, du bonheur pour nos petits matanais. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.